OM Flash News, la chaîne d'actualité sur l'Olympique de Marseille. Live, coup de gueule, articles. Toute l'équipe se mobilise chaque jour pour vous apporter un maximum d'informations. Retrouvez chaque semaine des émissions exclusives. L'Hebdo News avec Loris. 100% tactique, présenté par Johan. Manu se plonge dans le passé avec l'OM dans le rétro. Chris donne la parole aux supporters. Et puis bien sûr, chaque semaine, les avant et les après-matchs de votre équipe favorite. Flash News, la chaîne pour les passionnés de l'OM, faite par des passionnés. Suivez-nous sur Facebook, YouTube et Twitch. Bienvenue sur la page OM Flash News, les amis. En ce mercredi soir, il est un peu plus de 20h. Nous sommes évidemment ravis de vous retrouver une nouvelle fois, deux fois en une soirée, puisque tout à l'heure, on a eu un live exceptionnel sur les pseudos et les vrais supporters. Et là, on parle OM, évidemment, et gloire de l'OM avec un OM dans le rétro consacré à Mamadou Niang. Jusqu'à à peu près 20h45, 20h50, on va évidemment débriefer la carrière de ce joueur qui a été marseillais de 2005 à 2010. Et on va faire ça avec une team de choc ce soir et on va accueillir tout d'abord Loris. Salut Loris. Salut Manu, salut à tous. Comment ça va? Et toi? Bah écoute, ça va mieux. Quand on parle de la légende, tout va mieux. Bah c'est bien. Écoute, ravi de t'accueillir. FX est également là, salut FX. Salut Manu, salut Loris, salut tout le monde. Salut FX. Comment ça va? Ouais, nickel, comme d'hab. En plus, parler de Mamadou Niang, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. C'est un gros attaquant de l'OM, hein, Mamadou. Le dernier à nous avoir fait vibrer à lever un petit titre de champion de France. Exactement. On va débriefer tout ça ensemble. Thomas est également là. Salut Thomas. Salut les gars. Salut les auditeurs. Tout le monde va bien? Ça va très bien et toi? Impeccable. Impeccable. Et notre consultante féminine de choc? On ne la présente plus, elle est là avec nous. Karine, salut. Bonsoir. Pour moi, c'est un honneur de parler de Mamadou Niang. Ouais, ça fait partie de ta génération, de tes années fortes à l'OM, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais.
Ok, bah écoutez, les amis, c'est très bien. Je suis heureux de vous avoir une fois de plus avec moi ce soir. Donc voilà, on va parler de ce grand attaquant marseillais qui a été marseillais donc de 2005 à 2010. On va reprendre depuis le départ. Donc il est né Mamadou Niang le 13 octobre 1979 à Matam au Sénégal. Il est donc c'était un footballeur international sénégalais, donc origine sénégalaise. Et il est désormais le directeur actuellement sportif. Je vais m'arrêter si je me trompe. De l'Atlético Marseille. Exactement, Karine. Écoute, tu m'as demandé, c'est exactement ça. Et donc, il a effectué quand même une grande partie de sa carrière professionnelle en France et il s'est principalement distingué à l'Olympique de Marseille, vous le savez, de 2005 à 2010. On va regarder une première vidéo, puis on va décortiquer tout ça ensemble et on va parler de tout ça après, donc juste après la vidéo qui arrive dès maintenant. Mamadou Niang est né le 13 octobre 1979 à Matam au Sénégal. À l'âge de 1 an, il quitte le Sénégal pour la France et plus précisément pour la ville du Havre. Il grandit dans la cité de Cocrioville au Havre. Grâce notamment à Carlos Lopez, alors entraîneur du HAC, Niang intègre le centre de formation du Havre. Cependant, quelques mois après, Carlos Lopez rejoint Troyes et Niang ne parvient pas à s'adapter aux exigences du nouvel entraîneur. Après presque un an sans jouer et donc à court de compétition, Niang est recontacté par Carlos Lopez. D'un commun accord avec ce dernier, Niang décide de passer un an en DHR, à Saint-André-les-Vergers, afin de reprendre goût au football et éventuellement plus tard, de rejoindre Lopez à Troyes. Alors déjà, un joueur qui joue en DHR un an pour se relancer. C'est quand même pas banal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Saint-André, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Un truc, voilà. Bled bien paumé, mais bon, voilà. Parce qu'il était en Saint-André-les-Vergers, c'est ça. Voilà, donc effectivement, début de carrière, pas évident pour Mamadou Niang. Hein. Il a commencé au HAC, c'est ça ? Il a commencé c'est en ça. Pro. Ouais, il a redescendu, ouais, en DHR. Ouais, il est redescendu en DHR. Il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient laissé tomber déjà. Rien que le fait de redescendre comme ça. C'est la force de caractère. Je crois qu'en étant jeune, il a été jeune au HAC et en fait, il n'a jamais joué en équipe pro au HAC. Donc, en fait, son premier parcours pro, ça a été à Troyes du coup. Mm-hmm. Ouais. Et c'est là où on l'a connu, notamment en France. Mais c'est vrai que le HAC, c'est très exigeant parce que c'était le meilleur centre de formation français pendant des années. Par là, la Sanadiara, il est passé par là. Il y a eu Oaro, il y a eu du monde, il y a eu Mandanda, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il a eu un début de carrière pas facile, Mabad. Mais bon, on connaît sa fin de carrière et ça nous va. Exactement. Voilà, c'est ça. Et l'arrivée ensuite à l'Estac de Troyes, donc en l'an 2000. Donc voilà, donc là c'est véritablement le début là, vraiment de la carrière de Niang. On regarde une petite vidéo et on en parle. Satisfait de l'état d'esprit affiché par Mamadou Niang, Carlos Lopez convainc Alain Perrin, alors entraîneur de Troyes, de relancer et d'intégrer au groupe le Sénégalais. Il joue son premier match en première division face à l'Olympique de Marseille le 28 juillet 2000 et fait quelques apparitions dans l'équipe première en début de saison, mais peine à s'imposer. Le 17 février 2001, il inscrit son premier but en première division face à Metz. Au total, il jouera 10 matchs de championnat, à chaque fois en tant que remplaçant, et inscrira 2 buts dans la saison. Troyes termine le championnat à la 7e place et se qualifie ainsi pour la Coupe Intertoto. Lors de la saison suivante, il parvient à obtenir davantage de temps de jeu et connaît ses premières titularisations. Il dispute ses premières rencontres européennes par l'intermédiaire de la Coupe Intertoto, compétition remportée par Troyes et donnant accès à la Coupe UEFA. En championnat, il dispute 17 matchs et marque à 3 reprises. Troyes finit pour la 2e fois consécutive à la 7e place et se qualifie une nouvelle fois pour la Coupe Intertoto. Durant la saison 2002 à 2003, Niang inscrit son premier but dans une compétition européenne, lors du 2e tour de la Coupe Intertoto, le 6 juillet 2002. En championnat, il est désormais titulaire sur le front de l'attaque troyenne, avec 11 titularisations lors des 12 premières journées. Ses prestations irrégulières et une certaine maladresse devant le but vont lui coûter sa place. Il est alors fréquemment utilisé comme remplaçant. Lors de cette première partie de saison,
il dispute 20 matchs de championnat et inscrit 3 buts. Afin de lui proposer un temps de jeu plus important et ainsi le relancer, Niang est prêté jusqu'à la fin de la saison au Football Club de Metz, alors en Ligue 2, et entraîné par un certain Jean Fernandez. Et c'est là qu'il va rencontrer Jean Fernandez. Et bon, il a eu un peu de mal à s'imposer. Il n'était pas titulaire, hein, en fait, à 3. Et donc, il va être prêté à Metz ensuite, où justement, l'entraîneur de l'époque était Jean Fernandez. Donc, Jean Fernandez, on sait où il a été après. C'est ça. J'avoue que tu m'apprends des choses, parce que... Mais en fait, quand tu revois un peu son début de carrière, ça prouve aussi sa mentalité qu'il a eue sur sa fin de carrière, et surtout chez nous. Parce que c'est vrai que, voilà, moi perso, je me rappelais au début d'un Niang fort techniquement, assez rapide, mais par contre maladroit. Ce que j'ai entendu, maladroit devant le but. Tu fais penser un petit peu à Jean-Pierre Papin, la première année où il est arrivé à l'OM. Ouais, j'étais trop un peu le même cas de figure. Ben, c'est lui qui le fait venir à l'OM, donc il connaissait le joueur et on en parlera tout à l'heure, mais moi je voyais Mamadou Niang perso à l'époque, je me foutais de sa gueule quand je le voyais jouer à 3, quand je le voyais jouer à Strasbourg, je crois aussi. Ouais. Et c'est après qu'il est venu à l'OM, mais quand je dis qu'il est venu à l'OM, j'étais dégoûté, quoi. J'ai dit qu'est-ce que c'est ce joueur encore, c'est un mec qui fait des gris-gris, qui sert à rien, qui est pas efficace, et pour moi il a grandi en étant à l'OM, tu vois, franchement. Pour moi, sa carrière se résume à l'OM, si tu regardes, parce que il est arrivé pas très bon, il est reparti monstrueux. Mais voilà. C'est penser un peu tous les joueurs qui sont arrivés de Ligue 1, en fait, des clubs comme Guingamp. On parle de Didier Drogba, c'était la même chose, sauf que Drogba, dès qu'il est arrivé, il a scoré, contrairement à Niang. Évidemment, donc Niang, on prenait pour quelqu'un d'hyper maladroit, de pato, etc. Même titre que comme je disais tout à l'heure, de Jean-Pierre Papin quand il est arrivé en 86. Enfin, voilà, il était pas. Il a eu des surnoms tels que j'en peux plus, je plante plus, enfin, de genre de choses comme ça. Donc, effectivement, tu voulais rajouter quelque chose, FX. Vas-y, je t'écoute. Ouais, moi, tu sais quoi, quand il y a signé à l'OM, j'ai dit putain, on se retape un Bakayoko. Ouais, c'est ça. C'était un peu pour moi, je me rappelle. Vas-y, Karine. Le problème, je pense que quand un joueur comme ça arrive, il sait déjà que dans l'équipe qu'il a quittée, il n'était pas très, très bon, enfin, pas très à l'aise. Et tu sais que tu arrives à l'Olympique de Marseille, que tu as les supporters derrière, que tu as plein de monde à contenter parce que, voilà, je pense qu'au début, c'est vrai que tu as vraiment un fort caractère et tu te fais ta place directe, ou alors il te faut un petit temps d'adaptation et… Enfin, je connais pas beaucoup de joueurs qui sont arrivés avec un niveau, on va dire, passable et qui se sont tout de suite adaptés. C'est quand même dur, quoi, parce que là, tu adoptes le club, tu adoptes tes partenaires, tu adoptes les supporters, tu adoptes tout, en fait. Il faut que tu supportes tout dans l'Olympique de Marseille, je parle. Hein. Et la grosse force de ces joueurs-là, les amis, c'est que aujourd'hui, les joueurs actuellement n'ont pas ce caractère en fait d'adaptation pour un club comme l'Olympique de Marseille. On le voit très vite. Hein. Ils sont vite déstabilisés, ils se remettent pas en question. Enfin, je veux dire, on le voit même dans l'équipe actuelle. Voilà. Donc, c'est en fait la différence entre des joueurs comme Niang ou des joueurs qui ont foulé la pelouse du Vélodrome dans le passé avaient une certaine force de caractère. Et savait se transcender en fait quand ils jouaient pour l'Olympique de Marseille. Malheureusement, je pense que maintenant les joueurs, ils savent qu'ils ont ce don de jouer au foot et que ça va leur apporter de l'argent. Et à l'époque, t'en as certains comme les Papins, tout ça, eux, ils jouaient au foot pour leur passion et ils voulaient faire vraiment, ils étaient passionnés par le foot. Il y avait l'argent de l'autre côté, mais il y avait la passion avant tout. Maintenant, voilà, trouver la passion là. Maintenant, trouve-moi beaucoup de joueurs qui ont la même passion qu'ils avaient avant. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et juste pour finir un petit peu ce que vous dites aussi sur Mamadou Niang, quand il a commencé au Havre, qui vivait à Cocriauville, parce que j'ai vécu dans le coin pendant 3 ans, c'est un quartier très compliqué au Havre, il faut savoir, sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, lui non plus, et ils en ont chié quand même un moment, donc ça prouve aussi sa force de caractère à ce joueur. Qui a toujours voulu vraiment réussir dans sa vie pour remettre sa famille à l'abri, et c'est ce qu'il a fait. Et des joueurs
qui perdent pas pied à l'OM en arrivant à l'OM, parce que c'est vrai qu'un il est passé de Strasbourg à Marseille. Strasbourg, il fait une saison correcte, on y reviendra. Ouais. Mais quand il arrive à Marseille, on se dit putain, c'est un joueur moyen et il finit capitaine légende. Il te ramène le titre. La dernière année, ouais. C'est ça. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook Live, Twitch et YouTube. Et on va vous mettre le lien dans la discussion pour que vous puissiez venir intervenir à l'antenne, amis auditeurs, si vous voulez venir témoigner. Et si vous avez connu cette époque Niang à l'OM, on vous invite vivement à venir nous rejoindre. On regarde une petite vidéo avec le prêt de Niang au FC Metz. S'en suivra une petite vidéo avec le passage au Racing Club de Strasbourg et on parlera de la grosse époque marseillaise. On regarde les vidéos et on en parle après. D'abord remplaçant, lors de sa première apparition sous le maillot messin, Mamadou Niang, lors de ses 5 mois en terre lorraine, va se révéler au grand public. Il participera activement à la remontée du club lorrain en Ligue 1, en inscrivant 5 buts en 12 rencontres de championnat. Dans le même temps, l'Estac de Troyes terminera à la dernière place du championnat et sera donc relégué en Ligue 2. Mamadou Niang, désireux de rester jouer en Ligue 1, décide de quitter le club de la Moselle. Malgré les demandes de Jean Fernandez pour conserver le joueur, Mamadou Niang signera au Racing Club de Strasbourg. C'est marrant le destin parce que il joue à Troyes, il est prêté à Metz, Metz monte et Troyes descend. Ouais, c'est quand même assez marrant quoi. Ça veut dire que le joueur quand même il avait le pif en disant je vais aller jouer à Metz 6 mois et puis après on connaît le parcours, il va aller signer à Strasbourg. On regarde une vidéo sur le passage à Strasbourg et puis on parle de tout ça après, les amis. À tout de suite. Recruté en 2003 à 2004 pour être associé à Daniel Lubolia, à la pointe de l'attaque alsacienne, Niang s'affirmera un peu plus, notamment par ses qualités athlétiques et sa percussion balle au pied. Buteur, face à l'en avant Guingamp, lors de son premier match avec Strasbourg, il inscrira 8 buts en 15 matchs, lors de la première partie de saison. Pour sa première saison complète, sous le maillot alsacien, Niang inscrira 9 buts en 23 matchs de championnat. Lors de la saison suivante, en 2004 à 2005, le Racing Club de Strasbourg enregistrera l'arrivée de Michael Pagis, en renfort de l'attaque alsacienne. La complémentarité des deux attaquants va immédiatement se révéler efficace. Les deux joueurs inscriront 27 buts à eux deux en championnat. À titre personnel, Niang inscrira 15 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues. Il remportera son premier titre, sous le maillot alsacien, après la victoire du Racing Club de Strasbourg, en finale de Coupe de la Ligue face au Stade Malherbe de Caen. Courtisé par plusieurs clubs, dont Lille, West Ham et l'Olympique de Marseille, Niang choisira la piste marseillaise et son nouvel entraîneur Jean Fernandez avec qui il a déjà évolué au FC Metz. Alors d'une part, il a été courtisé par des clubs anglais déjà à l'époque, West Ham. Lille était sur les rangs et il a choisi la piste marseillaise et il rejoint un entraîneur, évidemment, vous l'avez deviné, Jean Fernandez, qui l'avait déjà connu à Metz. Qui veut intervenir ? Bah écoute, Jean Fernandez, voilà, ça a été un entraîneur un peu paternel et c'est ce qu'il fallait à Mamadou Niang, je pense, pour débuter parce que il fait la dernière saison qu'il fait à Strasbourg, il met 12 buts en championnat, je crois, et la première saison à Marseille, il met quand même du temps à s'y mettre et il met autant de buts, quasiment 11 ou 12, je me rappelle plus, et on est assez sceptique et t'as Jean Fernandez qui le défend en conférence de presse, tu sens que c'est son poulain quoi. Et je pense que ça lui a fait énormément de bien. Il faut savoir que Niang aussi, il avait une hygiène de vie pas géniale. C'était quelqu'un qui sortait beaucoup. Et quand Diawara est arrivé, ça a été l'hécatombe. Mais bon, c'est là où ils ont gagné le championnat, les amis. Donc on ne va pas leur rendre non plus. Mais je les ai vus en boîte de nuit avec Aix-en-Provençais, je vous le dis. Ah ouais, d'accord. c'était quelque chose alors. Quand il est arrivé avec toute la clique, Djibril Cissé, tout ça, c'était magnifique. Mais je pense que Jean Fernandez, s'il n'y avait pas eu Jean Fernandez, on n'aurait jamais vu Niang à l'OM déjà. Ouais. Mais s'il était venu, je pense qu'il n'aurait pas fait la même carrière et le même passage à l'OM. Voilà, il le voulait absolument. Il l'avait déjà
en tant que joueur à Metz, donc il connaissait le joueur, effectivement. C'était un père protecteur, Jean Fernandez, pour Mamadou Niang, en quelque sorte. Mais c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, si t'avais pas Jean Fernandez, t'étais même peut-être pas sûr de signer Mamadou Niang à l'époque. Hein. C'est ça. C'est peut-être ça. C'est ça. Et si tu le signes, t'es même pas sûr qu'il t'amène le titre de champion derrière aussi. Ouais, c'est clair, t'es même pas sûr qu'il explose, qu'il a la confiance, c'est clair. Bah ça, ouais, et puis en plus, effectivement, on en parlait en privé, tu le disais, Loris, Niang, bah, tu es le premier à te poser la question, mais qui est joueur, qu'est-ce qu'il va chercher comme joueur? Tu te dis, mais est-ce qu'il va être à la hauteur, quoi, finalement. Et puis tu t'aperçois que bon, bah, au fil des ans à Marseille, au début, ça a été un petit peu mitigé, mais après, il est monté en puissance, hein, jusqu'au titre de 2010. Donc on regarde une petite vidéo, la première des quatre vidéos sur Niang et l'OM. Ouais. J'ai une question. Est-ce que c'est pas aussi la première saison de Pape Diouf? Si, je pense. 2005-2006. Je crois. Peut-être. Non, c'était. Il est peut-être arrivé. Peut-être l'année d'après, c'est sûr. Ouais. Mais c'est sûr que la première année, c'était. C'était 2005-2006. Alors, si je me souviens bien, la coupe Intertoto, c'était là aussi, non? Contre la Corogne? Ou c'était l'année d'après? La première année de Niang, c'est ça. Ouais, Diouf, il est arrivé en 2005, d'accord. Et je crois qu'il a fait venir Niang, ça fait partie de ses premiers transferts. Hein. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah, écoutez, on va regarder tout ça avec une petite vidéo, là. Première année de Niang à l'OM, arrivée de Niang à l'OM. Le 2 juillet 2005, Mamadou Niang signe un contrat de 4 ans en faveur de l'Olympique de Marseille pour la somme de 7 millions d'euros. Il inscrira son premier but dès son premier match avec le club marseillais le 16 juillet 2005 lors du troisième tour de la Coupe Intertoto. Ses premiers mois dans la cité phocéenne sont assez difficiles, la faute à une trop grande maladresse devant le but, mais sa grande activité et sa combativité en font un titulaire régulier. Généralement placé sur l'aile gauche de l'attaque olympienne, il terminera meilleur buteur du club avec 10 réalisations en championnat. Il atteint également la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, mais le club phocéen s'inclinera lors de cette finale. Marseille terminera le championnat à la 5e place, qualificative pour la Coupe UEFA. Lors de la saison 2006 à 2007, malgré le départ de Jean Fernandez, il s'inscrira comme l'un des cadres de l'équipe marseillaise. Jouant sur l'aile gauche ou à la pointe de l'attaque, il terminera une nouvelle fois meilleur buteur olympien en inscrivant 12 buts en championnat et 18 toutes compétitions confondues. Il sera également le deuxième meilleur passeur décisif du club derrière Franck Ribéry. Au terme de la saison 2006-2007, l'Olympique de Marseille terminera le championnat à la 2e place et se qualifiera pour la Ligue des Champions, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 4 ans. Niang et Marseille arrivent une nouvelle fois en finale de Coupe de France, mais comme la saison précédente, échoue à la dernière marche de la compétition. Alors, si je ne me trompe pas, les amis, on a un extrait audio d'un match de Coupe de France, FX contre Lyon, il me semble. C'est pas moi qui l'ai, c'est Loris. C'est Loris. Est-ce que tu peux nous caler ça, un petit extrait audio apparemment sur un match entre Lyon et l'Olympique de Marseille, justement en Coupe de France 2006-2007, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'était 8e de finale de Coupe de France au stade Vélodrome. Ouais. Marseille qui est mené 1-0 par Lyon. Ouais. Ouais. But de Chris qui va voir le virage et qui fait ça, là, vous vous souvenez? Oui. Comme il avait pris le genou et qui s'est pris tous les bras d'honneur du siècle, celui-là. Et derrière, tu as Pagis qui égalise et Mamadou Niang dans les arrêts de jeu. Qui nous donne la victoire. Et pour la petite histoire, le stade, il a vraiment littéralement tremblé ce soir-là. Ouais. Et franchement, il y a certains supporters qui ont eu peur, moi le premier. Ouais. Et franchement, c'était une soirée mémorable. Je crois que c'est mon meilleur match au Vélodrome de ma vie. Voilà, parce qu'il y a eu aussi le match du titre face à Rennes. Mais ce match-là, franchement, j'en ai chialé tout mon corps. Quoi. Voilà. Ouais. Et puis à l'époque, le stade n'était pas couvert.
Ah non. Donc, on devait entendre ça de très loin dans la cité phocéenne, puisque le stade a été rénové quelques années plus tard, mais c'était le stade encore, le stade complètement ouvert au ciel. Il n'y avait pas de toit ni rien. Donc, c'est vrai que moi, je sais que j'avais été à Marseille en vacances quelques fois et les matchs, on les entendait. Ça résonnait dans tout Marseille, hein, parce que effectivement, c'était à ciel ouvert. Donc, ça devait être très impressionnant. Et voilà. Donc, on parlait de l'arrivée de Niang et il a un souci d'adaptation quand même. Hein. Il est très maladroit. On en parlait tout à l'heure. Mais malgré tout, Jean Fernandez lui fait quand même confiance en le titularisant régulièrement. Bah, okay. Après c'est logique Manu, parce que il était maladroit et moi le premier, c'est comme je te disais, moi pour moi quand il a signé, je me dis qu'est-ce qu'on va chercher Niang, on cherchait vraiment un attaquant et au final on se dit putain le mec c'est pas non plus assurance tout risque, mais le problème c'est sa combativité qui a fait la différence par rapport et quand t'entends le début de sa carrière où il est prêt à redescendre d'un niveau pour justement rebondir, ça prouve aussi le caractère qu'il avait à l'OM. Et il a toujours été apprécié, donc. Mais c'est peut-être aussi le fait qu'il soit maladroit, qu'il soit placé à gauche aussi, je pense, non ? C'était qui en pointe quand il les mettait à gauche ? C'était qui l'attaquant en pointe ? Alors, bonne question. C'était forcément. Je sais que les premières années où il y avait Ribéry, je crois, avec lui, c'est ça ? Ouais, mais Ribéry ne jouait pas en pointe. Ouais, il jouait pas en pointe, mais il y avait un attaquant. Il n'y avait pas un Chilien ou un Colombien ou quelque chose comme ça qui mène de ça. Exactement. Mendoza, pas très buteur à l'OM. Mendoza. Il y avait à l'époque, il y avait celui qui jouait aussi. Il y avait Pagis, les amis. Il y avait Bamogo. Oui, Bamogo. Et Louindoula qui avait débuté la saison aussi. Ouais. C'était compliqué. Christian Jiménez aussi, les amis. Ah oui, oh, oui. C'était l'après Drogba. C'est vrai que ça a été compliqué. On a perdu FX. On va peut-être très vite le récupérer. Donc ça a été compliqué. L'après, ouais, il y avait une période un petit peu creuse de Marseille. Il a fallu rechercher un vrai buteur. Hein. Quand tu as perdu Drogba, de toute façon, il faut récupérer un vrai buteur. Je pense est-ce que l'OM s'est cherché de toute façon en recrutant tous ses attaquants. Et en fait, Niang, du coup, il a été bon après le mercato d'hiver. Quand Pagis et Maoulida sont arrivés. Parce que Pagis, d'hiver. Et il y a eu la concurrence, une vraie concurrence, que tu n'avais pas de concurrence avec Bamogo, avec Rachman Bari, Fabrice Bégéorgi, tu vois. T'avais que des joueurs comme ça. Quoi. Des noms hyper connus. Quoi. Voilà. C'est ça. Et à un moment donné, tu as eu des vrais joueurs de foot et des vrais attaquants qui sont arrivés. Et là, Niang, du coup, a été vraiment monstrueux. Quoi. Karine, ouais. On t'a pas entendu. Tu... Moi, je vous écoute parce qu'à l'époque, bon, j'ai toujours aimé Marseille. Hein, attention, j'ai grandi au Vélodrome. Mais après, moi, nous, on est vite arrivés ici. Enfin, je suis arrivée très jeune ici à Nice. Donc après, c'est vrai que l'OM, je le regardais à la télé, mais bon, sans plus. C'est après, avec les années, où j'ai voulu vraiment m'intéresser au club. Ben, d'ailleurs, c'est Niang, c'est tous ceux qui ont suivi Niang. Après, je veux dire qu'ils m'ont fait de plus en plus m'intéresser de plus en plus au club. Donc là, j'apprends plein de choses, c'est bien. Mais moi, je pense que Niang aussi, c'est comme c'est Fernandez qui l'a formé, en fait, on va dire, hein, en milieu pro. Il a pris à Marseille et puis il a continué de le façonner, en fait. Et avec le temps, il s'est vraiment épanoui comme ça. Enfin, pour moi, je pense que c'est les joueurs avec qui il avait à côté, c'est vrai que ça l'a aidé. Mais je pense que Fernandez, il lui a fait confiance parce qu'il savait, lui, ce qui valait vraiment. Si vraiment il se lâchait, il savait ce qu'il attendait. Puisque c'est lui un peu qui l'a façonné. Hein, donc, n'importe quel entraîneur, voyant une irrégularité de Niang, ne l'aurait jamais titularisé. Je pense qu'il l'aurait mis sur le banc de touche de bonne heure et puis on n'en aurait peut-être pas entendu parler comme on en a entendu parler. C'est ça, voilà. Mais bon, voilà. Lui, il lui a fait confiance et il savait ce qu'il faisait. Hein. Excuse-moi, je dis non, mais après, tu as eu quand même un mec comme Gerrits qui directement, tu voyais. C'est vrai que jusqu'à l'époque des champs, je trouve qu'il y a toujours eu des coachs quand même assez proches de lui, assez, on va dire, paternels. Ouais. Parce que Deschamps, je sais qu'il est proche de son groupe, mais on sait que c'est pas un mec qui va être très, très paternel, surtout dans ce qu'on voit.
Il est chirurgical, mais pour moi, c'est pas un paternel. Mais c'est vrai que même Guéret, tu vois tout de suite, il était amoureux de ce mec, quoi. Parce que, à mon avis, au niveau humain, niveau tout ce que vous voulez, ça devait être un super mec. Ouais, et puis Guéret, c'était un super entraîneur, hein, donc on va pas revenir là-dessus. Hein, et pas. C'était le début d'un grand OM, en fait, jusqu'au titre de 2010. On regarde une petite vidéo et puis on revient. On continue dans cette émission passionnante sur Mamadou Niang. La saison 2007 à 2008, il joue le premier match de sa carrière en Ligue des Champions contre le Beşiktaş le 18 septembre avant d'inscrire le premier but de sa carrière en Ligue des Champions, le 24 octobre, face au FC Porto. Au total, il marque 23 buts, toutes compétitions confondues, battant ainsi son record, et termine deuxième meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations en 29 matchs. Cette saison pleine pour l'attaquant marseillais est récompensée en mai par sa présence dans l'équipe type de Ligue 1 et une nomination au trophée UNFP pour le titre de meilleur joueur de l'année, titre finalement décerné à Karim Benzema. Malgré un début de saison difficile qui se traduit par le remplacement d'Albert Aymon par Éric Guéretz, l'Olympique de Marseille finira le championnat sur le podium. Mamadou Niang prolongera son contrat avec le club marseillais jusqu'en 2012. Alors déjà, entre Jean Fernandez et Éric Guéret, il y a eu Albert Aymon. Oui. Albert. Qui était là. Et puis, remplacé par Éric Guéret, évidemment. Et puis, il avait fort à faire en nouveau concurrence. Le trophée UNFP décerné à Benzema, la génération 87, les Ben Arfa, les Benzema, les Nasri notamment. Donc il a quand même été nominé en fait au trophée UNFP Mamadou Niang, donc ce qui n'est pas rien. Donc ce qui prouvait qu'il avait quand même un certain talent. Quelque chose à rajouter les amis là-dessus ? Non, mais après quand il a été sous Guéret, quand tu as eu il y a eu Jean Fernandez, son père un petit peu, et Guéret, tu as eu le bonhomme quoi. L'entraîneur que tout le monde retiendra à l'OM. Notamment, il n'y a pas que lui, il y a Deschamps, il y en a eu beaucoup, mais Guéret, on gagne le titre grâce à lui, parce que l'année d'avant, il doit le gagner, il ne le gagne bien pas. Sûr. Deschamps, après derrière, qui récolte aussi le fruit du travail de Guéret. Mais Guéret, il a su faire de Niang aussi un top joueur du championnat de France. Jean Fernandez, il l'a fait naître, et Guéret, il l'a fait éclater, tout simplement. Et ça a été un match magnifique. Et je crois que c'est Guéret qui le met capitaine, non ? C'est ça. Exactement. Il me semble, c'est sa dernière exactement. Année, je crois. C'est juste avant qu'il parte qu'il était capitaine, il me semble. C'est sa dernière année. Ouais, c'est ça, donc c'est lui. Ouais. Il est capitaine, il finit meilleur buteur du club. Il ramène le champion. Non, c'est pas ça. Non, il a été sous Guéret, capitaine une première fois déjà. Et après, c'est quand il gagne le championnat, c'est avec Deschamps. Donc il est capitaine. Oui, c'est ça. Et après, il s'en va. C'est vrai. Mais... Moi, j'ai toujours regretté une chose, c'est que Guéret n'ait pas eu les moyens de Deschamps. C'est clair. C'est pas faux. C'est vrai que Guéret a été le bâtisseur de l'équipe qui a été championne de France en 2010. Oui, parce qu'après, quand Deschamps y arrive, il y a eu des moyens quand même, excusez-moi, mais il y a eu des moyens colossaux pour l'époque. Et il a pu façonner. Je veux dire, t'aurais eu des Enze sous Guéret et tout. Franchement, j'aurais kiffé voir Guéret avec des vrais moyens. Des moyens vraiment, je dirais pas limités, mais un gros budget pour voir ce qui aurait fait. Moi, ça a toujours été un regret. C'est ça. Et pour la petite histoire, à la fin de l'ère Guéret, je crois que c'est Bordeaux qui finit champion de France juste avant nous. Et en fait, dans les tribunes, il y a des supporters qui nous font croire que, parce qu'on n'avait pas, moi j'avais pas le téléphone, pas tout le monde avait le forfait illimité et tout, tu vois. Que Bordeaux s'était fait égaliser, tu vois. Et nous, on était en train de gagner. Et tu voyais Mamadou Niang qui allait voir tous ses coéquipiers. Il y avait Baki Kone, je crois, à l'époque. Il y avait ces joueurs-là. Ça se voyait verbalement qu'il leur disait « Les gars, restez dans votre match. C'est pas terminé. C'est pas terminé. » Nous, dans les tribunes, tu entendais des « Ouais !» comme si on était champion de France, tu vois. Mais c'était du fake, c'était pas vrai, quoi. Donc, tu voyais le grand joueur, déjà, qui se laissait pas, parce que tu voyais des Baki Kone qui serraient le poing. Tu voyais des joueurs qui serraient le poing derrière et lui, toujours pro jusqu'au bout. Du coup, ça a été le premier déçu. Oui, Karine.
C'est ça qui est fait. Pour en revenir à ce qu'on dit depuis l'after là, de l'autre soir, du match de l'autre soir, qui nous manque hein, justement un mec qui dirige un peu l'équipe. Mmh. Voilà, il faudrait s'inspirer de Niang aussi, parce qu'on a donné plein de noms. Mais Niang, c'était un bon meneur. Hein, ouais. Pour motiver. Au même titre que Drogba voilà, quand il était à l'OM, c'était des leaders des leaders sur le terrain en fait. Hein. Ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, je pense. Après, si sur les matchs, tu le vois que Milic harangue les joueurs et qu'il donne de la voix. Après, ça, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, tu le vois, oui, quand par le regard, par les gestes, tu vois D'ailleurs, comme j'ai dit, si tu sors des leaders comme Payet et Milic contre Montpellier, pour rentrer quoi? Il a rentré quoi déjà? Benedetto et Encham. Voilà. Tu sors deux leaders pour rentrer deux joueurs qui ont pu. Tu crois halluciner quand tu vois évidemment ce qu'on se tape aujourd'hui et puis tu vois ce qu'on se tapait il y a 13 ans, quoi. Donc voilà, 10 ans, 11 ans. Enfin voilà, donc c'est. Il n'y a aucune comparaison, effectivement. On regarde la suite des vidéos, les amis. N'oubliez pas, vous pouvez monter sur le live. Je pense que le lien est dans la discussion des commentaires. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez des anecdotes ou si vous avez été au stade pendant l'époque Niang, etc. Venez nous en parler. Vous êtes les bienvenus. On regarde une petite vidéo de la suite de la carrière de Mamadou Niang. Durant la saison 2008 à 2009, lors de la rencontre du tour préliminaire de la Ligue des Champions face à Brandbergen, Mamadou Niang inscrit son premier doublé dans cette compétition. Après le départ de Djibril Cissé en début de saison, il devient pour la première fois le véritable attaquant de pointe du club marseillais. Le 6 décembre 2008, lors de la rencontre face à l'OGC Nice, il est victime d'une fracture de l'orteil droit qui le tient éloigné des terrains 10 semaines. Malgré cette absence, il termine une nouvelle fois meilleur buteur du club, inscrivant 13 buts en championnat et 7 en Coupe d'Europe. De plus en plus influent au sein du club, il est courtisé par de nombreux clubs tels que le FC Séville, Arsenal, Manchester City ou encore Everton. Annoncé partant, notamment après le départ d'Eric Gerets, il décide finalement de rester et prolonge son contrat jusqu'en 2014, cette prolongation étant assortie d'une revalorisation salariale. Donc Eric Gerets, vas-y Karine, je t'écoute. Non, c'est vrai que j'avais oublié qu'il s'était cassé l'orteil contre Nice, contre GC Nice, et que malgré la fin, c'est lui qui avait été le meilleur buteur quand même de la Ligue 1. C'est vrai que j'avais oublié. Et puis, il ne faut surtout pas oublier qu'il a été repositionné en véritable numéro 9 au départ de Djibril Cissé. Il ne jouait pas en poste d'attaquant de pointe Mamadou Niang, donc il a été quand même… À l'origine, il était ailier gauche. Hein. C'est ça. Donc il a été quand même, il a été reconverti en numéro 9 et ça lui a plutôt bien réussi. Saison 2009-2010, on y arrive. Et là c'est l'année évidemment, vous savez du titre. Hein. Donc petite vidéo là-dessus et puis là on va parler. Là je pense qu'on a du grain à moudre sur cette année-là, donc on va évoquer tous nos souvenirs ensemble juste après la vidéo. Lors de la saison 2009 à 2010, Mamadou Niang est promu capitaine. Après le départ de Lorik Sana à Sunderland, durant le mercato d'été. Après un bon début de saison, il se blesse à l'épaule lors de la réception du Real Madrid, le 8 décembre 2009, à la suite d'un contact avec Iker Casillas, et est éloigné un mois des terrains. Le 21 février 2010, il inscrit le premier triplé de sa carrière en club lors de la victoire de Marseille face à Nancy. Le 27 mars, il remporte son premier trophée sous le maillot marseillais, en battant Bordeaux en finale de la Coupe de la Ligue. Le 5 mai 2010 au stade Vélodrome, il contribue à offrir le titre de champion de France à l'Olympique de Marseille, en inscrivant le second but face au stade Rennais, dans un match qui lui assure le titre de champion de France avec le club phocéen. Lors de la dernière journée, face à Grenoble, Niang inscrit son 100e but en Ligue 1. Au total, il inscrit 18 buts en championnat et décroche le titre de meilleur buteur pour la première fois de sa carrière. Il est une nouvelle fois récompensé en mai par sa présence dans l'équipe type de Ligue 1 et une nomination au trophée UNFP pour le titre de meilleur joueur de l'année, titre qui sera décerné, cette année-là, à Lisandro Lopez. Désireux de quitter l'Olympique de Marseille, après 5 saisons passées au club, Niang affirme début août sa volonté de rejoindre le championnat turc. D'abord déclaré « intransférable » par Jean-Claude Dacier, le président de l'Olympique de Marseille,
le club phocéen finit par accepter l'offre de Fenerbahçe et annonce le 14 août 2010 le départ de Mamadou Niang pour le club turc. Il est le 8e meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On en parlait dans nos précédents lives, donc Mamadou Niang quitte Marseille, mais en restant le 8e meilleur buteur de l'histoire du club. C'est ça. Déjà, donc ça situe un petit peu la qualité de l'attaquant. Et donc il remporte le championnat avec l'OM, mais bon, ça on s'en souvient tous. Hein. Moi j'étais devant ma télé, j'étais comme un fou quand Marseille, comme le bus marseillais a défilé dans les rues de Marseille, il y avait du monde partout. C'était moi j'y étais. T'y étais? Sérieux? Ouais, moi je suis descendu donc au MREN le soir du titre, c'était à la radio. J'étais pas rentré. J'écoutais ça à la radio, mais comme ça. Ouais. Et au match contre Strasbourg, en fait, je suis descendu. Et je me rappellerai toujours du tifo. Et ensuite, si je me trompe pas, le lendemain, j'étais devant la mairie. Donc, des souvenirs de fou. Les gars, je vais vous retrouver un truc et la fille. Je dis les gars, mais. C'est pas grave, j'ai l'habitude, t'inquiète. C'est bon. Juste. Parce que Niang marque pour le but du titre aussi face à Rennes et je sais pas si vous vous souvenez, c'était sur RMC avec Jeannot Rességuier et le but de Niang, voilà, je vais essayer de retrouver l'audio parce que c'était, ça met les frissons quand même. Magique. Je crois que c'est qui marque, c'est Niang, Lucho et Enzo. Contre Rennes, hein, c'est ça? Oui. C'est ça. Je vais retrouver le son. Oh, bah, si tu nous retrouves ça, Loris, t'es un amour. Hein. Ça marche. Et ben voilà, donc effectivement, et donc voilà, Niang, 5 années passées à Marseille, donc va aller faire valoir ses talents dans le championnat turc à Fenerbahçe. On regarde une petite vidéo, et puis le temps que Loris fasse ses petites recherches. Audio, tu l'as? Eh ben, on passe la vidéo. On passe ton audio avant et on passe la vidéo après, si tu veux. C'est avec grand plaisir. Sinon, on peut tenir en haleine les gens aussi. Pareil. Eh ben, on va passer la petite vidéo sur Niang, ses débuts à Fenerbahçe, et puis on revient évidemment pour parler de avec Abou qui vient de nous rejoindre. On va parler de Mamadou Niang juste après la vidéo. Le 17 août 2010, Mamadou Niang signe un contrat de 4 ans avec le club Stambouliot. Son transfert avoisinerait les 8 millions d'euros. Il touchera un salaire mensuel brut de 480 000 euros par mois, contre 316 000 euros par mois à Marseille. Le 29 août 2010, il marquera ses premiers buts sous le maillot turc en signant un doublé face à Manisaspor lors de la 3e journée. Malgré une première moitié de saison difficile, Niang s'adapte bien à ce nouveau championnat, puisqu'il inscrit 9 buts lors des matchs allés, dont notamment un triplé contre Kasımpaşa. Durant la deuxième moitié de saison, Fenerbahçe réalise une série impressionnante, 16 victoires, un nul, qui lui permet de finir champion devant Trabzonspor. Il s'agit du 18e titre national, un record depuis la création de la Super League. Avec au total 15 buts en 29 matchs, Niang termine 3e meilleur buteur du championnat turc, derrière son coéquipier Alex de Souza, 28 buts, et Burak Yılmaz, 19 buts. Il quittera le club en septembre 2011, à la suite d'une affaire de match truqué qui incite le club turc à se débarrasser de la plupart de ses joueurs les mieux payés. Donc Fenerbahçe, un an pour Mamadou Niang, obligé de quitter le club parce qu'il y avait, vous vous rappelez, cette affaire de match truqué dans le championnat turc. Donc Fenerbahçe a été obligé de se séparer au même titre qu'à l'époque Galatasaray de leur meilleur joueur, tout simplement parce que voilà, donc il y avait un gros scandale financier dans le championnat turc. Donc voilà, donc quand même troisième meilleur buteur après derrière Burak Yılmaz et Alex de Souza dans le championnat turc, les amis. Yılmaz, il était déjà là, quoi. C'est ça. Il était déjà là. Il était tout jeune, mais il était déjà là. Il avait 8 ans. C'est ça. J'ai la vidéo, tu la veux ou pas? Vas-y. Sur le but de. J'ai mis que le but de Niang, sinon ça dure 2 minutes. Vas-y. Si tu l'as. Il y a du score de Gabi Ense, égalisation de Jimmy Briand. Et c'est Niang qui donne le but du 2-1 et Lucho qui.
Le 3, la petite fois. C'est fini, voilà. Allez. Tu l'as là. Non, c'est... Ah, je l'ai, c'est parti. Bonnard à la lutte avec le bon, il est passé, Bonnard. Il centre, Bonnard, oui avec Valbuena, arrêt de danser. Mamadou Niang. Il y a le troisième aussi, allez. C'est obligé, obligé. Allez, allez, allez. Allez, allez, fais-nous plaisir. C'est dans la poche. Siffle, il doit lui dire. Ça va être le titre de champion, ça y est, c'est fait. Le titre de champion. Et la musique de Van Halen derrière, les amis. Le vélodrome également. Et tu sais que, pour la petite histoire, je crois qu'en direct, il y avait cette musique déjà aussi. Ouais, les mecs en direct, la régie, ils ont mis la musique de Jump. Tu vois que Marseille, quand même, c'est un club à part. Et ouais. Marseille qui est champion de France, t'as vu les mecs qui mettent la musique de Jump quand Marseille est champion de France, tu vois. C'est ça. Sur RMC, quoi. Est-ce que Abou... Ils pourront la remettre l'année prochaine. C'est ça. Est-ce que Abou nous entend? Oui, je vous entends très bien. Salut, comment, Abou. Comment ça va du côté de l'Allemagne, hein, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment ça va là-bas? Ça va bien, seulement... Bon, seulement les ennemis ont éliminé notre club favori. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a comme tristesse par ça. Est-ce que tu as donc tu as dû connaître l'époque Niang, Abou? Je voudrais que tu nous en parles un petit peu, si tu as une anecdote croustillante à nous dire. Si tu l'as connu, si tu as été le voir, si tu l'as regardé à la télé, qu'est-ce que tu pensais de ce joueur-là, Abou? Oui, bon, moi, au temps de Mamadou Niang, j'étais à Abidjan. Ouais. Déjà, c'était une époque vraiment très, 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 très... C'est-à-dire, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, il y avait quoi à se vanter? Et tu avais un joueur qui te plantait des buts à n'importe quel match et qui avait des grinta vraiment qui pouvait faire bouger tous les stades. Et c'est ce que je retiens de Mamadou Niang. Mais retenir des matchs, bon, nous n'avons pas tellement de télévision comme vous. Vous pouvez voir tous les matchs et puis bon, c'est pas tout le monde qui a les abonnements de Canal Plus. Ouais. À l'époque de Niang, mais seulement moi, tout ce qui compte faire le résultat de l'Olympique de Marseille, même si je n'ai pas regardé le match, il fallait que j'aie le résultat. Même si je veux payer quelqu'un pour me donner les résultats de l'Olympique de Marseille. Et tant que je n'avais pas les résultats de l'Olympique de Marseille, je ne pouvais pas aller au lit. Je ne pouvais pas dormir. Et si Marseille venait à perdre dans mon quartier, tout le monde me connaît pour ça. Tout le monde connaît. Si Marseille venait à perdre, ne passe pas devant ma porte. Ne passe pas devant ma porte. Si passe devant ma porte, ah non, c'est une palabre qui se déclenche en même temps. Mes petits frères qui se mettent de côté à mon côté pour frapper les mecs peut-être de n'importe quoi, quoi. Même si tu me dis bonjour, c'était tout un problème. Ça, tout le monde me connaît pour ça dans mon quartier. Et cette époque, on ne peut plus... Oui, c'est quelque chose qui est dans le sang. Vous voyez, l'Olympique de Marseille, si tu ne veux pas être palabré, il ne faut pas supporter l'Olympique de Marseille. Ah oui, il ne faut pas supporter l'Olympique de Marseille. Et bon, l'arrivée de Didier Drogba, ça m'a un peu déstabilisé parce que c'est un mec que moi, je n'ai jamais aimé en tant que, même si c'est mon compatriote, je ne l'ai jamais aimé. Et j'avais raison aussi. On parle de Niang. J'avais raison parce que... On parle de Niang, non, non, c'est un traître. Ouais, mais bon, là, l'émission Drogba, on l'a déjà faite. C'est bien hein, que ce que tu nous dis là. Il est parti d'ailleurs, non? Il a disparu. Bon, bah, tant pis. Hein. Ouais, il est là, Abou. Je croyais que tu avais disparu, mon ami. Non, mais on parle de Niang là. On parle pas de Drogba, mais bon, après, voilà, tu as le droit de parler de Drogba. On parle de Niang, mais c'est même période entre Drogba et Niang. Vous voyez, Niang, Abibay, Drogba, c'est même période. Oui. Donc, on peut pas parler de Niang sans parler de cela. Mais Niang était meilleur parce que Niang
et de quitter Strasbourg pour venir à l'Olympique de Marseille, vraiment, il avait l'amour pour notre maillot. Je sais pas si c'est un Marseillais de natif ou c'est un Marseillais d'adoptif, mais il avait l'amour pour l'Olympique de Marseille. Et vous voyez, moi, j'aimerais que les gens qui jouent à l'Olympique de Marseille actuellement écoutent nos vidéos pour savoir, écoutent ces vidéos et partagez massivement pour que ces gens-là, pour que ces bâtards qui jouent à l'Olympique de Marseille actuellement puissent entendre que nous, les supporters de l'Olympique de Marseille, on ne supporte pas l'Olympique de Marseille, c'est parce que c'est un club comme ça. Non, il y en a qui connaissent, qui n'ont jamais mis pied dans la ville de Marseille, de loin, mais qui supportent Marseille. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire. Il y a quelque chose qui t'a fait vibrer. Il y a quelque chose qui t'a vraiment fait marquer. Il y a quelque chose qui t'a fait perdre de l'argent et tu es content, tu es fier. Vous voyez? C'est l'Olympique de Marseille. On voit bien, Abou, que tu aimes l'OM. Je vais prendre Mathieu. Mathieu est venu aussi pour témoigner. Salut Mathieu. Ah oui, salut. Alors, tu vas nous parler de Niang, évidemment, parce que je suppose que tu es venu là pour ça. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur qui est resté 5 ans dans notre club de cœur? Moi, j'ai vécu les matchs au Vélodrome depuis les 5 ans qu'il a passé à l'OM. J'ai fait les 5 ans jusqu'au titre de champion de France. Et le match de Rennes, j'y étais au stade. Et il nous a fait vraiment vibrer, Mamadou Niang. Pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants que j'ai vécu. En tant que supporter de l'OM. Bon, c'est bien. C'est bien, je pense qu'il il a fait l'unanimité. Voilà. Mamadou Niang, il nous reste 8 minutes. Si vous avez encore le temps de venir nous rejoindre, c'est un gars qui cassait les reins des défenseurs, c'est vrai. Ah oui. Si vous voulez venir témoigner, vous avez encore 5 minutes pour venir nous rejoindre sur le live. Le lien est dans la discussion des commentaires. On regarde juste une petite vidéo sur la carrière internationale de Mamadou Niang, parce qu'il a fait aussi, il a été joueur international pour l'équipe du Sénégal. On regarde une vidéo, on termine l'émission là-dessus, on reparle de la carrière internationale et on accueillera très vite, mais alors très vite David qui nous attend depuis un moment. On regarde la vidéo et on reparle de Niang après. Convoqué par Bruno Metsu, Mamadou Niang dispute son premier match avec la sélection sénégalaise et inscrit par la même occasion son premier but sous le maillot des Lions de la Teranga, le 27 mars 2002 contre la Bolivie. Il n'est cependant pas retenu quelques mois plus tard, dans la liste des 23 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde 2002. Le Sénégal parvient jusqu'en quart de finale, éliminé par la Turquie lors des prolongations. En 2004, il dispute pour la première fois de sa carrière une Coupe d'Afrique des Nations. Lors de cette compétition, il inscrit 2 buts en 4 matchs et est éliminé en quart de finale face au pays hôte et futur vainqueur, la Tunisie. Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006, Niang et le Sénégal terminent à la deuxième place de leur groupe. Par conséquent, ils ne se qualifient pas pour le Mondial mais obtiennent leur ticket pour la CAN 2006. Durant cette compétition, disputée en Égypte, le Sénégal parvient jusqu'en demi-finale mais s'incline, malgré un but de Niang, face à l'Égypte, là encore futur vainqueur. En petite finale, ils perdent 1-0 face au Nigeria. Au total, Niang inscrit 2 buts en 5 matchs durant la compétition. Lors des qualifications pour la CAN 2008, le 24 mars 2007, Niang inscrit le premier triplé de sa carrière en sélection nationale face à la Tanzanie. Le Sénégal termine premier du groupe, et permet à Niang de jouer sa 3e Coupe d'Afrique des Nations consécutive. La CAN 2008 se déroulant au Ghana est une grande désillusion pour Niang. Il n'inscrit pas le moindre but en 3 matchs, et le Sénégal est éliminé dès le premier tour de la compétition sans gagner un seul match. Pour dénoncer les manquements dans le fonctionnement de l'équipe du Sénégal, et les différents conflits internes, Mamadou Niang décide de prendre du recul par rapport à la sélection. L'absence du Marseillais suscite de vives polémiques, en plein milieu des éliminatoires de la CAN 2010 et du Mondial 2010. Niang ne prend d'ailleurs part à aucune rencontre lors de ses matchs de qualification. Le Sénégal échoue dès le deuxième tour des qualifications, en terminant à la 3e place de son groupe et par conséquent ne se qualifie ni pour la CAN 2010, ni pour la Coupe du Monde 2010. Au cours des qualifications pour la CAN 2012, Niang est promu capitaine et s'impose comme le leader de l'attaque sénégalaise en inscrivant 5 buts lors des 2 premières journées.
Donc, belle carrière en sélection. Ah, oui. On revient vite fait quand même. Il a quand même poursuivi en club à Al-Sadd au Qatar. Il a été prêté à Beşiktaş en 2013 pour finir sa carrière professionnelle à Arles-Avignon en Ligue 2 en 2014-2015. C'est en 2015 qu'il met un terme à sa carrière pro. Et donc voilà, donc il a fait aussi beaucoup de matchs avec la sélection du Sénégal qui était très forte sur le papier, mais qui n'a véritablement pas remporté de grosses compétitions, même avec lui. Oui. Après, t'as le Sénégal d'aujourd'hui avec Mamadou Niang, je pense qu'il peut faire très mal. Ah oui. C'est ça. Avec Mané. Le Sénégal d'aujourd'hui, t'as qui? T'as Mané, t'as Ismaïla Sarr, non, au Sénégal? Ouais. Ah ouais. T'as Ismaïla Sarr, t'as Mané sur les côtés, tu mets un Niang en pointe. Bon. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais moi je me souviens qu'elle était partie à Arles-Avignon à l'époque, juste avant de finir. À l'époque, je commentais Arles-Avignon, je commentais Istres et tout. Ouais. Et Arles-Avignon, je me souviens quand on a eu la conférence de presse de Mamadou Niang, t'as eu tout Avignon qui est venu le voir. C'était la légende qui venait à Arles-Avignon et il venait que pour l'image parce que le mec, il est arrivé avec du ventre, il est arrivé avec. Mais bon. Il est arrivé juste pour remplir un peu le stade, tu vois. Et, ouais, bah, c'est clair. Voilà, bah après, même dans le jeu, c'était plus ça. Il ne s'entraînait même plus. Voilà. Mais bon, c'était quand même une légende qui venait à Arles-Avignon, quoi. Ah oui, c'est clair. Je me souviens que les tribunes de presse, elles étaient pleines en Ligue 2, quoi. En Ligue 2, hein. Ouais. Et oui. Il était plein. Donc, c'était magnifique. C'était magnifique. Rien que pour ça, c'était magnifique. Moi, pour l'anecdote, bah, tiens, Loris, toi qui es commentateur, je ne sais pas si vous en rappelez. C'était une interview de Mamadou Niang et il s'en est jamais remis, je crois d'ailleurs. Ils avaient gagné un match, je sais plus, contre Lyon, je crois, un gros, il y avait eu un score. T'as Dacier qui arrive dans les vestiaires et qui va le voir pour le féliciter et il lui dit bien joué, Kabore. Ah, et oui. Il lui dit comment ça? Il lui dit je suis ton attaquant, je suis ton capitaine et tu m'appelles Kabore, tu voilà. En fait, apparemment, Dacier, il avait un souci avec les noms des joueurs. Et là, il avait appelé Kabore. Mais je crois qu'il a sorti plein de fois cette histoire. Il s'en est jamais remis, en fait. Avec Kabore. Voilà, ouais. C'était Kabore. Je crois qu'il avait confondu avec Kabore. Ok, ouais. C'était ouf. Le truc n'avait rien à voir, quoi. Parce que Dacier ne connaissait pas le nom des joueurs. Ouais, voilà, c'est ça. Apparemment, il avait un souci avec les noms. C'est triste de ne pas connaître tes joueurs. Dacier, c'est pas un président, les mecs, s'il vous plaît. C'est le problème de gouvernance des clubs de foot par des gens qui n'y connaissent rien au foot. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais c'était juste pour l'anecdote, quoi, pour refaire. Voilà. C'est ça. Joueur sénégalais le plus titré, Mamadou Niang, 9 titres, avec Souleymane Diawara également, 9 titres. Les joueurs sénégalais font partie des joueurs sénégalais les plus titrés. Ça, c'est un tacle défenseur sous les mains de Javor. C'est ça. On accueille vite fait David pour les 2 minutes qui restent. David, bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir plutôt. Salut David. Donc, voilà. Là, je voulais vraiment parler de lui sur son match qui est inoubliable. C'est contre Lyon en Coupe de France. Et c'est celui-là, ça, je pense, qui le propulse et qui lui fait sa publicité Made in OM. Parce que là, franchement, déjà coaching gagnant sur un match où on pense même pas pouvoir gagner et se qualifier. Et en 2 minutes, le match bascule. Et lui, il est là à la finition de ce match-là. Et ça, c'est inoubliable. Et pour le championnat de France aussi, je l'ai vécu. J'étais aussi au Vélodrome. Et quand on voit le but de Niang qui nous libère, vraiment la délivrance. Mais quelle euphorie dans le stade. Quelle euphorie. Et feu d'artifice à la fin du match. On est vraiment gracié, on nous remercie, on nous dit voilà d'être venu. Le public Vélodrome, je me rappelle même une chose, c'est-à-dire que ce match-là contre Rennes, il y avait même plus une place. Et une fois Kader, rappelez-vous, il avait dit que des fois on pouvait rentrer en surpopulation sur le stade, etc. Et tout. Et ben là, ça fut le cas parce qu'on était vraiment serré comme des sardines. Et que vous soyez à Jean-Bouin, ou que vous soyez à Ganet, ou que vous soyez dans les virages. Ouais. Bah, c'était on se tenait tous. Je vous assure. J'étais au stade. Voilà. Si tu te souviens bien, t'as vu comment on se tenait. Il y avait même plus une place à côté de l'autre. On était tous debout. C'est clair. Pour justement fêter le titre. On s'est dit ça y est, on est libre, on est content et on va. C'est bien. On va remarquer l'histoire. Merci David. J'ai juste un dernier truc à dire. Vas-y Mathieu.
Je sais pas si vous vous rappelez un quart de finale contre Lyon qui a mis le but de la victoire. C'était un quart de finale de Coupe de France contre Lyon. Le grand Lyon de Jean-Michel Aulas. Là, c'était quelle saison c'était, Mathieu, tu t'en souviens? 2007. Ouais, bah on a passé justement un extrait audio tout à l'heure. Je sais pas si ouais, c'était énorme. Ah ouais, bon. J'étais devant la télé. Oh, j'étais quand il met le but de la victoire, j'ai sauté comme un. Ah ouais. Voilà. Très bien. Un rapide tour de table. Chacun votre tour. Allez, vous allez me citer une qualité et un défaut de Mamadou Niang. Chacun votre tour. On va faire un tour de table et on va finir l'émission là-dessus. On va commencer par Loris. Au hasard, t'es à côté. Qualité. Ouais. Persévérance. Ouais. Et défaut, hygiène de vie. D'accord. Voilà. Et fixe. Je vous pose une colle, les gars, mais bon, les amis, mais bon. J'avais envie. Ah, qualité, ouais, j'aurais dit persévérance, enfin son caractère, quoi, parce que pour moi, c'est ça qui a fait la différence aussi, parce que on laisse pas beaucoup de temps aux attaquants, il n'y a que ceux qui ont vraiment du caractère, un peu comme Gignac ou autre, qui réussissent à l'OM. Et défaut, j'aurais dit, bah, Johan nous a envoyé une petite vidéo où il met une baffe à un supporter, donc. Impulsif, voilà. Karine. Ben moi je dis ouais, persévérant, combatif, parce que voilà, c'est ça. Ouais. Le défaut, peut-être à la fin, il a fait sentir quand même qu'il voulait partir. Ouais. Voilà, ça, moi je trouve qu'on le ressentait sur ces derniers matchs qu'il voulait partir. Et c'était mon ressenti. D'accord. Et ça m'avait même un peu déçu d'ailleurs à l'époque, parce que franchement, je le portais vraiment. C'était. T'aurais voulu qu'il reste plus longtemps, évidemment, comme tout le monde d'ailleurs. Il reste plus longtemps, et puis même s'il voulait partir, qui quand même, parce que les derniers matchs, je trouvais qu'il était plus là comme il était avant. Voilà, c'est bon. Thomas, une qualité, un défaut. Qualité, je te dirais tueur, ouais. Un renard. Ouais. Défaut, Mamadou Niang, c'est compliqué. Chaque joueur a forcément un petit défaut et il a des qualités, mais il a forcément un petit défaut. Ouais, non, là, comme ça, j'en ai pas. Hein. J'ai peut-être une hygiène de vie comme Loris, peut-être. Ouais, c'est ça, au début, mais après, je pense qu'il a. Ouais. Bah après, c'était irréprochable, donc, du coup. Non, ça, ouais, c'est bon, j'en ai un. De pas avoir fait toute sa carrière à l'OM, c'est tout. C'est mon seul défaut. Ah, ok, ouais, c'est ça. Et on va finir par nos internautes et nos supporters qu'on a fait monter dans le live. Abou, une qualité et un défaut chez Mamad. Tu dirais quoi, toi? D'accord, moi. Ok, j'ai dit même ce que Karine. Je vais dans le même sens que ce que Karine vient de dire à Mamadou Niang. À la fin, on a vu qu'il voulait partir. Bon, ça, ça m'a un peu aussi déçu. Bon, voilà, c'est ouais. Tout. C'est ça. Mathieu? Moi, la qualité, il y avait la grinta. Ouais. Et le défaut, pareil que les autres, hygiène de vie. D'accord. Et David, pour terminer. Alors, moi, je t'en donne deux qualités. C'est la vitesse et la rapidité. Enfin, ça va avec. Ouais. Oui, oui. Et par contre, son défaut pour moi, c'est qu'il était trop généreux. D'accord. Bah, écoutez, ça a été un vrai plaisir, les amis. De vous avoir avec moi ce soir. Loris avait une grosse crève, il est quand même venu, c'est super sympa. Merci Loris, merci. Il est en forme. Ah, je suis en forme. Je suis chaud là. Je sais pas pendant combien de temps encore, mais je suis chaud. Ah ouais, je vois ça. T'es très chaud sur Messenger. Ouais. merci à toi, FX, merci beaucoup. Merci à toi, Manu. Ça a été un plaisir, Thomas. Merci également. Tu reviens quand tu veux, hein. Tu sais bien. Ça marche, c'est noté. Abou, à très bientôt sur un nouveau live. Merci bien. Et bonjour à l'Allemagne pour nous. Karine, merci. On te retrouve bientôt également. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Merci. J'ai appris plein de choses sur Mamadou. Ouais. C'est sympa les émissions comme ça. On se remémore les carrières de joueurs. J'adore. C'est bien. J'adore. C'est très bien. Mathieu, à très bientôt. Merci. Ouais, bientôt. Toujours fidèle, Mathieu. C'est nickel. Franchement, continuez comme ça. Vous êtes au top. Merci beaucoup. Merci. David, à bientôt également. Merci à vous. C'est toujours un plaisir et vous êtes au top. Ouais. Donc, on vous rappelle qu'on se retrouve vendredi
Alors, pour une toute nouvelle émission FX, tu peux nous en parler très vite Pour faire simple, ça s'appelle les paris d'OM Flash News. Donc, en fait, moi et les consultants, on s'est mis un peu au jeu des paris. Et voilà, on fait trois tickets différents. Donc, un ticket, on va dire, sécurité, un ticket complètement fou. Donc là, vraiment, le but, c'est de choper la plus grosse cote. On ne sait jamais si elle passe. Et le dernier, ça va être les buteurs. Donc, voilà. Après, le but, ça va être débattre un peu sur la forme du moment. Pourquoi pas vous faire gagner peut-être de l'argent. En tout cas, il ne faudra pas nous en vouloir comme Mohamed Henni sur ses vidéos où il se fait menacer de mort. et voilà. Après, le but, ça sera aussi de débattre un peu si vous voulez participer à l'émission et proposer aussi vos tickets. C'est toute nouvelle émission et je vous conseille vivement de... J'ai jamais joué l'auto-sportif, je vous le dis. Évidemment. Je vous conseille vivement de rejoindre FX et sa bande donc vendredi soir. Ouais. Rappelle-nous l'horaire, FX. 19h. D'accord. Donc, sur la page OM Flash News, évidemment, sur Facebook Live, Twitch et YouTube. Samedi, l'avant et l'après-match de Marseille-Lorient, évidemment, à ne pas louper. À 17h le match. Donc, direct d'avant-match à 16h et direct d'après-match à 18h50 ou 55 dans ces eaux-là. Dimanche, la parole aux supporters avec Chris, évidemment, à 19h. Il a fait un véritable carton dimanche dernier, notre ami Chris. Ça a été une super émission. J'y étais, j'étais super content d'en faire partie et il a vraiment cartonné. Mais Chris, c'est une tête d'affiche. Quand il est là, ça marche toujours. C'est ça, une tête d'affiche. C'est exactement le mot. Merci les amis. Donc rendez-vous donc semaine prochaine pour nous pour un nouveau numéro de dans le rétro. J'ai pas encore le joueur, mais bon, j'y travaille. J'espère que dans le rétro, alors. C'est ça. Je regarde dans le rétro avant, par contre. On aurait une surprise. Est-ce que tu me permets un petit truc, Manu, juste parce bien sûr, Loris. À Dutch of Marseille qui veut monter sur les lives à chaque fois. Il nous dit d'envoyer les liens Twitch, mais en fait, il faut qu'il clique sur le lien StreamYard qu'on lui envoie. Nous, c'est sur StreamYard qu'on est, donc il faut qu'il se connecte sur StreamYard et le lien, à chaque fois, il est dans la discussion. Donc, qu'il n'hésite pas à faire avec nous, ça sera avec plaisir. C'est ça. Surtout que les liens sont épinglés, normalement, à chaque début d'émission, sont épinglés sur la page des commentaires, donc très facile à voir. Merci à tous. À mercredi en ce qui me concerne. Ouais. Et puis, à très bientôt dans un de vos lives, les amis, que ce soit les Hebdo News de Loris ou autre, je serai toujours ravi d'y participer, évidemment. Belle soirée. Ligue des Champions ce soir, quel match? Allez, le Real. Liverpool, s'il te plaît. Bah oui, Manchester City. Ouais, mais City va se qualifier sans problème. Ouais, on n'a pas le temps de faire un pronostic parce qu'on en aurait parlé un petit peu, mais bon, voilà, on a dépassé un petit peu l'horaire. Donc, City, pour moi, je vous l'annonce. City passe ce soir contre Paris, ils ont un souci à se faire, je te dis. Paris, ils ont un souci à se faire. City, pour moi, c'est très, très fort. Allez, vite fait un pronostic, Loris. Donne-nous un pronostic vite fait. Qui tu vois gagnant ce soir? City avec deux ou trois buts d'écart. D'accord. Et fixe. Ah bah moi, tu vois, je vois l'inverse. Moi, je vois bien une qualif Dortmund avec un doublé d'Haaland. Ça nous donne un avant-goût des pronostics de vendredi. Thomas, tu veux un prono? Les deux équipes marquent, mais je pense que City va gagner. Mais les deux équipes marquent. D'accord. Abou, vite fait, un pronostic et très très vite. Il nous reste 30 secondes. City. Ça marche. Karine. Dortmund avec un but d'écart. D'accord. Mathieu. Ouh, elle est joueuse, Karine. City avec trois buts d'écart. D'accord. Et David, pour terminer. City avec deux buts d'écart. Les amis, merci beaucoup. Ouais. Belle soirée. Ligue des Champions ce soir, évidemment. Ouais. Donc, belle soirée foot à tous. Allez l'OM, évidemment. Ouais. Notre seul club aujourd'hui qui a gagné la Coupe d'Europe. On le rappelle haut et fort. Voilà. Allez, belle soirée, belle nuit et à très bientôt pour de nouveaux lives sur la page OM Flash News. Salut les amis. Au revoir. OM Flash News, la chaîne d'actualité sur l'Olympique de Marseille. Live, coup de gueule, article. Toute l'équipe se mobilise chaque jour pour vous apporter un maximum d'informations.
chaque semaine des émissions exclusives. L'Hebdo News avec Loris. 100% tactique, présenté par Johan. Manu se plonge dans le passé avec l'OM dans le rétro. Chris donne la parole aux supporters. Et puis bien sûr, chaque semaine, les avant et les après-match de votre équipe favorite. Flash News, la chaîne pour les passionnés de l'OM, faite par des passionnés. Suivez-nous sur Facebook, YouTube et Twitch.